Hello, nous allons voir aujourd'hui l'effet torrent. Alors ce que j'appelle l'effet torrent, il est à mettre en opposition, pas en complémentarité, mais en opposition avec l'effet eau dormante dont je parle dans une autre vidéo. Alors l'effet torrent, c'est donc l'image, c'est le torrent de montagne qui dévale et qui emporte tout sur son passage. Donc il n'y a rien, il n'y a aucun déchet. Un torrent de montagne, il est propre, il est clair, les eaux sont limpides, le fond du torrent, il est limpide aussi. Et c'est vraiment un effet Karcher. On pourrait aussi l'appeler l'effet Karcher. Mais bon, l'effet torrent, c'est beaucoup plus parlant, plus imagé pour moi, plus sympathique et naturel. Et donc, il peut y avoir des feuilles qui tombent, de la terre, des branches, tout est éliminé, même des pierres, tout est éliminé. Et ça marche également dans notre corps. C'est-à-dire lorsqu'on est en pleine énergie, lorsqu'on bouge, lorsqu'on fait du sport, lorsqu'on est actif. Donc c'est la vie au plein air, dans l'idéal. Et waouh, les déchets, les toxines sont éliminés. Et le problème, c'est lorsque on est trop sédentaire ou lorsque, avec l'âge, on a laissé les choses se déposer. On passe de l'effet torrent de notre jeunesse à l'effet eau dormante. Donc je décris en détail l'effet eau dormante dans une autre vidéo. Et donc cet effet torrent, on peut le retrouver. Et donc on peut le retrouver avec des exercices puissants, avec de la cardio, donc en faisant monter les pulsations, en accélérant le rythme de respiration, l'amplitude respiratoire, et faire que petit à petit tous les déchets sont soit éliminés, soit extériorisé de notre organisme. Alors, ça peut prendre un certain temps, étant donné qu'en général, nous sommes assez encombrés. Alors, il faut toutefois faire attention au fait que si on met le Karcher, on fait un effet torrent, alors que tout est bouché en sortie, ça va poser aussi un problème, parce qu'il va y avoir des tas de toxines qui vont arriver, qui vont vouloir être éliminées, mais qui ne vont pas pouvoir. Donc, il faut doser tout ça. Un petit coup d'effet torrent pour lancer la machine, lancer le nettoyage, et ensuite du repos pour laisser le temps à l'organisme de nettoyer, de faire du vide pour le prochain coup de Karcher, pour le prochain effet torrent. Donc il y a différentes manières de créer un effet torrent. Je vais t'en reparler dans une prochaine vidéo.